www.wagavincat.com. Contactez-nous grâce à notre newsletter ou appelez-nous au 70 65 65 00. Wagavincat.com, la passion de l'information. Sampa Wende. Sampa Wende. Et sa fermeture éclair pète. Ah,
Il prend ça comme une défaite inoubliable de toute sa carrière politique. Or, quand la fermeture éclair de l'humoriste pète devant son public, ah ben c'est un cadeau inoubliable de toute sa carrière humoristique. Oui, 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 parce qu'il transforme la faiblesse en force. D'abord, il met la panne en valeur. Et il demande tout simplement aux femmes de le regarder droit dans les yeux quand il parle. Parce que quand on parle à une femme et elle baisse les yeux, c'est un signe de faiblesse, de soumission. Or, nous sommes dans un monde d'égalité. Les femmes seront condamnées à soulever leur regard. Et la panne est là tranquille. Maintenant, s'il y a un homme dans la salle qui regarde en bas, il est ce qu'il est, et moi, ça ne sortira pas de ma bouche. Parfois à l'envers. Par exemple, j'ai fait le cours de la route, mais il y a des panneaux que je n'ai pas vus là-bas, que je retrouve en circulation. C'est-à-dire les sacrifices. Ouais. Des véritables signalisations lumineuses. Vraiment, mais... Non, mais c'est des panneaux de danger. Oui, oui, oui. L'État met les moyens pour sensibiliser les gens à respecter les feux tricolores, mais il n'a pas besoin de sensibiliser quelqu'un pour qu'il respecte un sacrifice au milieu de la voie. Quand tu roules tranquillement comme ça, et devant toi tu sens que les gens sont en train de virer à gauche, non, il faut suivre le mouvement, il y a un sacrifice au milieu de la voie. Parce que la présence d'un sacrifice au milieu d'une intersection annule même la présence de la police. On dit que les choses fonctionnent parfois en envers. Vous savez, en Europe, quand les gens se lèvent le matin, il y a un truc blanc qui tombe du ciel et ils appellent ça la neige. En Afrique aussi, quand on se lève le matin, il y a un truc blanc sale qui tombe et on appelle ça... Non, ceux qui n'ont pas fait des grandes études en sciences naturelles appellent ça la poussière. Oh non, c'est de la neige sahélienne. S'il vous plaît. La neige sahélienne. Mais est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Kampala, Tampui? Bon, c'est des gens, si tu leur donnes rendez-vous à Ouagadougou, s'ils sont en moto, il faut qu'ils prévoient deux chemises pour se changer à la porte avant d'entrer. Sinon, on va croire que c'est des employeurs artisanaux qui ont creusé depuis les sacs jusqu'à déboucher ici. En tout cas, les femmes qui circulent en moto ont trouvé leur solution en attachant des pailles du cou jusqu'aux pieds pour traverser la ville comme des parachutistes qui rejoignent la base aérienne pour une séance de saut. Alors, applaudissez pour les femmes, s'il vous plaît. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, au cœur de sa capitale, Ouaga24.com. Ouaga24.com, c'est votre site internet d'information générale, politique, santé, société, people, cuisine, sport, technologie, tout est décrypté pour vous sur votre site internet Ouaga24.com. Ouaga24.com, c'est aussi Radio Burkindi, la web radio dédiée à la musique burkinabé, et BFTV Live, votre web TV. Ouaga24.com, toute l'actualité en temps réel, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, à tout de suite sur Ouaga24.com. Contactez-nous grâce à notre newsletter ou appelez-nous au 70 65 65 00. Ouaga24.com, la passion de l'information.